Un sous-marin nucléaire américain, l'USS Michigan, a fait escale ce mardi en Corée du Sud. Une manière pour les États-Unis de faire étalage de leurs forces dans un contexte de tension avec Pyongyang. La Corée du Nord fête aujourd'hui le 85e anniversaire de la création de son armée et des rumeurs laissaient entendre que Pyongyang pourrait le célébrer en effectuant un 6e essai nucléaire. La Corée du Nord est toujours plus à cran au printemps lorsque se déroulent les exercices conjoints entre Washington et Séoul, des exercices perçus par la Corée du Nord comme une répétition de l'invasion de son territoire. Pyongyang a procédé à un exercice de tir conventionnel pour rendre hommage à son armée, un exercice semblable à celui-ci d'après la presse sud-coréenne. Ce mardi, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon doivent se réunir à Tokyo pour aborder la menace nucléaire du régime de Pyongyang, qui rêve de construire un missile capable d'atteindre le continent américain.